Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Solty Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Hein, comment ça va tout le monde? Salut tout le monde, salut, salut. Salut, c'est ce qu'a dur la journée, je débute sur PC Rainbow Six, j'étais level 380 sur PS4. Eh ouais, bienvenue dans la cour des grands, poteau. Hein? Si 4 fait un slash les weather clear, STP. Ouais, je le ferai, pas... il fait froid là. Non, tranquille, il fait chaud en fait. C'est une... C'est une pluie tropicale, ok? Bon, rentrez quand même. Teammate. Remember it. Bon, j'espère que tout le monde va bien sur le campus de la Solty Academy. Merci infiniment, Kuba, déjà, nouvel étudiant du campus de la Solty Academy. Merci infiniment, mon chéri. Waouh! Je sais pas d'où il sort, celui-là. Eh non, je pensais au chocolat, bien sûr. Je sais pas du tout. Et voilà, je sors enfin du closet. ok. Un grand tatouage sur la tronche de Mary. Quand j'aurai pas de goût. Voilà. Non mais je vais peut-être faire un truc comme ça, genre 5000 abonnés sur le campus de la Solty Academy. La tronche de, comment dire, de Mary, quoi. Mais sur la fesse, quoi. Sur les fesses. Sur le fion, quoi. Hey, attendez, ça a donné quoi, Far Cry 6? On peut le regarder ou pas? Il y a un trailer qui est sorti? J'ai vu ça partir ce matin, là. Ça, j'aimerais bien le voir, regarder avec vous, sérieux. Vas-y, on va aller voir Julien Chiez. Bonjour à toutes. Vas-y, on va aller voir une autre vidéo. In July last year, we got our first look at Far Cry 6, and that was a dramatic cinematic trailer, some screenshots and basic information about the game. However, today, finally, we get to see some of that juicy gameplay. Ah, y a un TKL avec du C4. According to Ubisoft, it's their most ambitious world yet, and they want you to feel like you're really exploring an entire country with jungles, beaches, villages, towns, swamps, and of course the capital city. Okay, bon, c'est pas moche, hein. Built-up urban environment, and you can of course expect plenty of wildlife too. In this game, you play as Danny Rojas, a guerrilla fighter born in the country's capital city of Esperanza. You can customize Danny at the beginning of the game with two different character models available, male or female, both with their own voice acting. And you're part of a revolution against Yara's ruler and dictator, Anton Castillo, played by none other than Giancarlo Esposito, and the cutscenes do look fantastic. What are you feeling so far now we've seen some gameplay and learned six down in the comments below? What are you feeling? J'ai mal. Et pourquoi pas? Ah oui? Et pourquoi pas? C'est un bonnet. C'est un cosplayer, le mec. Plus lentement encore, parce qu'il y a des textures. Ok. That's why you've died. Now I'm going to call this in. You? Animation. Ouh. Crac. Schlack. Schla madame. J'aurais pu kiffer ce jeu, franchement, si j'avais 13 ans, quoi. J'aurais surkiffé, même. C'est ça, la target audience, hein, je pense. Hein, mais... Hey, DMCA. Boom, boom, boom. Because, why not? Yes. Oui, bah oui. Oh là 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 là, rien que les mouvements dans la... Regarde le mouvement de elle, là. Je suis un être sensible. Oh, tu sens l'intelligence artificielle exceptionnelle, quoi. Hé, hey, mais qu'est-ce qui se passe? À droite? À gauche? Et là, on voit bien quand même qu'il est bien au centre, hein. Gros crosshair placement, quand même, hein. Le centre étant à peu près au niveau de mon curseur, là. Hop! Attention. Bah là, il est là, du coup, puisqu'il y avait le truc pause. On va laisser le curseur. Hop là! Headshot! Because, why not? Bon bah lui, de toute façon, on le sait qu'il est en papier, donc on peut lui mettre des headshots, hein. Oui, bah, on le voit de manière, hein. On le voit que c'est une coquille Saint-Jacques, le truc. Check la coquille Saint-Jacques! Le truc, il explose instant. Le casque. Because, why not? Oh non, trop, c'est trop, quoi. Tac, tac, tac. Ah non, je pourrais pas. Je le lancerai pas le jeu, autrement je vais être hyper salé. Alors,
essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Lui, visiblement, a fait une attaque cardiaque. Oh putain! Un feu d'artifice! Coupe les moteurs! Ouais, non, désolé. Je m'attendais à un truc plus hypant, quoi. Non, ça, j'y jouerai pas du tout. Déjà que Far Cry 5, ça commençait à tirer sur la nouille, quoi. Voilà, quoi. C'était vraiment... C'est toujours pareil, quoi. C'est vraiment toujours pareil. Y a pas de nouveauté, etc. Donc là, bon, on va mettre un gros paquet marketing derrière et bam, et truc, et on va pusher le truc. Voilà, quoi. Durée de vie 3 semaines. Je suis vraiment pas fan, quoi. C'est chiant parce qu'il y aura vraiment des trucs sexy à faire, quoi. Après, les armes et tout, c'est sympa, quoi. Le fait que, voilà, ce soit un peu original et tout, je trouve ça bien fait et tout, mais c'est juste l'intelligence artificielle, quoi. Enfin, ça, moi, ça me fait péter. Moi, ça me fait vriller, quoi. La même chose avec une intelligence artificielle un petit peu sympa, tu vois, ça pourrait vraiment changer la donne, quoi. Avec un peu aussi une difficulté un peu plus sympa, quoi. Mais le truc, c'est que, ouais, non, c'est pour faire plaisir. La target audience du jeu, elle est à 15 ans, quoi, je pense. Aucune difficulté dans ce jeu. La seule difficulté des Far Cry, c'est la longévité, en fait. C'est la longueur du truc, en fait. La seule vraie difficulté du jeu, c'est d'arriver à ne pas être saoulé au bout de 6-10 heures de jeu, quoi. Et de se dire, vas-y, non, je vais le terminer, mon gars. Je vais le terminer, je te jure, je le termine. Tu joues 6 heures, 9 heures, tu l'as terminé à 20% et t'arrêtes. Et puis tu te dis, non, franchement, il est bien, et je le relancerai demain. Et tu le relances pas le lendemain, en fait, et ni le surlendemain, et tu y rejoues plus, quoi. Voilà. Trailer de gameplay de Dying Light 2 sorti 6-4. Ah bon ? Dying Light 2, alors ça c'est pareil, tout le monde avait parlé du 1, et quand j'ai découvert le 1, j'ai fait putain, mais j'ai 3 ans de retard, j'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. En fait, c'était à l'époque où j'étais pro, donc je jouais à aucun jeu en fait. Et du coup, j'avais regardé, j'avais bien kiffé quoi, et je m'étais dit tiens, pourquoi pas le reprendre. Donc ouais, Dying Light 2, il y a des chances que j'aille dessus quoi. Hey everyone! We've been quiet for some time, since, like the rest of the world, we had some unforeseen hurdles to clear. But the wait is over. Let's dive into the open world of Dying Light 2. Oh, ouais. The last slice of Dying Light 2 showcased the mission from the main storyline. You get after those fuckers. You saw how your decisions influenced the narrative and notably changed the environment. This time, we want to give you a broader look at the game and a sneak peek at some of the things we'll be talking about in upcoming months. In Dying Light 2, you become Aiden Caldwell, an outsider trying to unravel a tangled mystery from his past. Its trail leads him to the city. Probably the last bastion of mankind in the world. Oh, shit! Ça a l'air beau, putain. Putain, les textures, c'est hyper... I'm Hakon. You were a night runner. You used to help people, remember? Night runners are gone. Finished. Oh, c'est propre, hein. A myth. Civilization has fallen, but a new one has been built on its ashes. Ah, c'est autre chose d'un point de vue graphique quand même, hein. People fight desperately for scarce resources. Putain, c'est beau, hein. The rules are broken, and weakness is punished. She's innocent! Three factions struggle for position in the city. Survivors pride themselves on being able to adapt to any circumstances and cobble together safe zones almost everywhere. Peacekeepers, loyal soldiers, who want to impose their version of law and order and trample all in their path. Renegades, ex-prisoners serving their ruthless colonel, seeking to become sole rulers of the city. Where is Waltz? Where is Waldo? Darkness changes the rules of the world. As the light fails, monsters crawl out of hiding to prey on the poor souls caught outside the safety of UV rays. Nests rife with infected during the day now lie empty. Ouais, t'as le chargeur de Left 4 Dead, t'as le tyran de Resident Evil 1. Resident Evil. T'as le smoke de Left 4 Dead. Le bestiaire fait penser mais bon à des trucs qu'on a déjà vu par le passé quoi. Putain, c'est insanement beau.
Ah, c'est une espèce de Mirror's Edge version post-apocalyptique, quoi. Oh là là, nice. Mirror's Edge était tellement bien. Oh non, ça a l'air insane. Même là, t'as bien l'impression de... You can count on your parkour acrobatics to save your life. Okay. But often, you'll have to face your enemies head on. Things move fast and quick in Dying Light 2. Each moment matters. Each move could mean triumph or defeat. Salut mon pote. Choose your actions and friends carefully. Everything you do in the city can reshape the gameplay environment, change the course of the narrative, and decide the fate of the city's residents. But most importantly, you decide your own fate as well. You're about to turn. Make sure to stay human. Bah voilà une vraie belle présentation de gameplay, quoi. Et un vrai trailer. Jeez, what a hell, well made, great. Ouais, ouais, tu m'étonnes, il est bien well made. Non, vraiment, 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 vraiment sympa. Vraiment sympa pour le coup. Bon, bah, wishlist, déjà, ça c'est fait, je te le dis. Et add to cart, à la limite même. Beaucoup sont hype. Ouais, non, mais vraiment quoi. Ah, surtout si c'est une coop. Après, c'est clair qu'un gameplay, un trailer, ça veut pas dire grand chose. Hein. Ça se trouve, ils nous ont fait voir les phases qui étaient, voilà, qui étaient terminées. Et derrière, le jeu est pas du tout fini et va être fini à la piste, quoi. Tu as testé Specs Ops The Line. FPS plutôt réaliste dans le scénario. Vraiment sympa. Specs Ops The Line. Jamais entendu parler de Specs Ops The Line. Qu'est-ce que c'est que Specs Ops The Line? Allons voir ça. J'ai pas compris. T'as parlé de réalisme ? Attends, c'est qui ce type ? Des réfugiés ! Des survivants de la tempête ! C'est bien, non ? Faut prévenir l'état-major, qu'il soit au courant. Reçu ! Ouais, parce que là, dites donc, ça a l'air très réaliste, hein. Wouah ! Oui. One eternity later. Ah, bah dis donc. Ah, il est mort. Ah, il explose. Ok. Non, je l'ai pas testé. Je sais pourquoi je l'ai pas testé. Hein, parce que ça a l'air d'être bien de la merde. Mais si vous avez d'autres propositions comme ça, surtout hésitez. Hein, voilà.